Bonjour, je m'appelle Dina Nicolaou et je suis chef au restaurant grec Evievan. Aujourd'hui, je vais vous proposer un dessert grec. C'est la terrine avec du yaourt grec et des fruits rouges. Comme ingrédients, on aura besoin du yaourt grec bien égoutté, du miel grec, la gélatine en feuilles et des fruits rouges congelés et 100 g de lait. Pour commencer, on va mettre les feuilles de gélatine dans l'eau froide pour les ramollir. Dans une petite casserole, on réchauffe un peu de lait à feu doux. On va échaurer bien les feuilles de gélatine. Et on va les mettre dans du lait qu'on a déjà réchauffé. On mélange bien pour fondre la gélatine. Voilà, la gélatine est bien fondue. Après, on met le miel, c'est le miel du thon qui vient de Crète, dans le yaourt. On mélange bien pour avoir une préparation bien souple. On rajoute la préparation avec la gélatine. Je continue toujours à mélanger. Et voilà. J'ai bien tapissé un moule à cake avec du film alimentaire, du film plastique. Et là, je commence à mettre des petits fruits rouges. Là, on commence à mettre la préparation qu'on a fait avec les yaourts et le miel. On continue toujours avec les fruits rouges. Et on termine avec la préparation du yaourt. On va couvrir la préparation avec les films plastiques qui restent. On va les mettre au frigo pendant 5 ou 6 heures. Et voilà, c'est prêt. On retire les films plastiques. Et voilà. Ajoutez la sauce aux fruits rouges qu'on a préparée avec les fruits rouges qui sont restés, des fruits rouges congelés, en ajoutant un peu de miel et en laissant dans un feu doux pendant 10 minutes. Et voilà, notre terrine au yaourt grec et des fruits rouges est prête. Bon appétit!